Bougez en rythme. Peppa et ses amis sont à l'école. Les enfants, aujourd'hui, vous allez vous servir de votre imagination pour bouger au rythme de la musique. Dites-moi à quoi vous fait penser cette musique. Ça me fait penser à un piano. Oui, mais encore. Moi, ça me fait penser à de la musique. D'accord. Servez-vous de votre imagination. Quelles images vous viennent à l'esprit quand vous écoutez cette musique? Ça me fait penser à un cerisier en fleurs qui se balance doucement au gré du vent, au sommet d'une magnifique montagne. C'est très bien, Rebecca. Alors maintenant, je vais vous demander d'imaginer que vous êtes cet arbre qui est planté au sommet de la montagne et qui se balance au gré du vent. Vous êtes un arbre. Vous avez les pieds qui sont plantés dans la roche. Sentez le vent dans vos branches et le soleil sur vos feuilles. Vous êtes un arbre. C'est très bien, les enfants. J'ai vu parmi vous des arbres magnifiques au sommet d'une montagne. À présent, écoutez cet autre morceau musical. À quoi cette musique vous fait-elle penser? N'oubliez pas de faire travailler votre imagination. Je sais. Oui, Pedro? Est-ce qu'il faut répondre à un cerisier en fleurs qui se balance au sommet d'une magnifique montagne? Mais le rythme du morceau était plus rapide, n'est-ce pas? Un cerisier qui se balance plus vite. Dani? Ça m'a fait penser à une fanfare, Madame Gazelle. Très bonne réponse, Dani. Cette musique a un rythme très marqué pour pouvoir marcher en cadence. Les enfants, vous allez chacun prendre un instrument dans le chariot à musique. Imaginez que vous êtes dans cette fanfare qui défile au rythme de la musique. Bravo! Quel beau défilé vous avez fait, les enfants. Est-ce que ça vous a plu? Oui, Madame Gazelle! Le prochain morceau musical est un petit peu différent. Commencez par l'écouter attentivement et ensuite dites-moi à quoi il vous fait penser et ce que vous ressentez. Ça, c'est une musique qui vient de l'espace. C'est une fête d'anniversaire extraterrestre. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet appareil? Je suis un robot des temps futurs. Je suis une extraterrestre. Je suis un robot. Je suis un robot. C'est la meilleure musique que vous nous avez fait écouter. Non, non, je crois que c'est l'appareil qui est en panne. Dites-moi ce que vous ressentez en écoutant cette musique. Tout ce que je ressens, c'est de l'ennui. C'est une musique qui me donne envie de dormir. Ce ne serait pas l'appareil qui est retombé en panne? Non, ça, c'est de la musique. Ça me rappelle une promenade dans un superbe jardin par une chaude journée d'été. Un jeune homme, mon premier chagrin d'amour. Vous pouvez remettre la musique qui vient de l'espace? Ce n'était pas de la musique, c'était l'appareil qui était détraqué. Vous ne préférez pas plutôt celle-ci? Non. Madame Gazelle, vous pourriez faire retomber l'appareil en panne? Non. Oh! J'imagine que dans la vie, on ne peut pas tous aimer les mêmes choses. Moi, j'aime la musique qui vient de l'espace. Moi aussi! Moi aussi! D'accord. Et cette musique, à quoi vous fait-elle penser, les enfants? Je sais! Cette musique me donne envie de sauter dans des flaques de boue, Madame Gazelle. Par ici! Suivez-moi, les amis! Adore bouger en rythme. Tout le monde adore bouger en rythme.